regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à actionner la clochette pour ne pas rater mes publications. Merci. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Aujourd'hui, mon thème est Côte d'Ivoire, pourquoi restes-tu aveugle? Les étrangers veulent te prendre ton pays. Et toi, tu es là, tu dors. Premièrement, la loi sur l'apatridie. Cette loi leur a permis de donner la Côte d'Ivoire pour pays à des gens sans pays. Et la nationalité ivoirienne à des gens sans nationalité. Deuxièmement, la loi sur la xénophobie. Cette loi a été faite pour emprisonner et faire taire toute voix ivoirienne qui se lèvera contre ça, en vue de frayer tout le monde. Le docteur Israël Goran est en prison depuis 9 mois. Maintenant, pour avoir dénoncé cela. Troisièmement, la délimitation des terres villageoises. Ici, les gros villages qu'ils ont donnés au Burkinabé, en Côte d'Ivoire, se verront attribuer des terres qu'ils vont arracher aux autochtones ivoirois et aux communautés villageoises. Pendant ce temps, le peuple de Côte d'Ivoire ne voit rien. Naturellement, un peuple qui ne peut protéger ses leaders est un peuple qui est voué à l'ignominie. Pour que nous nous comprenions bien, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, mon pays, qui a mal interprété le passage biblique qui nous demandait de nous aimer les uns les autres, puisque nous avons préféré aimer les autres plus que nous. De telle sorte que, lorsqu'ils ont demandé l'hospitalité, nous leur avons donné notre chambre à coucher et avons dormi au salon avec femmes et enfants. Pendant que nous nous dormions la nuit, ils ont eu le temps de bien inspecter la chambre et ils ont découvert des merveilles dans cette chambre. Pour cela, ils se sont par la suite organisés pour monter une rébellion qui nous a valu aujourd'hui des rebelles au pouvoir. Tous les pays sahéliens qui nous traitent des xénophobes. Exemple, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry n'ont eu d'hommes politiques portant des noms ivoiriens comme Kouadio, Adou, Mobio, Akichi, Koudou, Kipré, Amani, Nyanzan. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, vous trouvez des Mamadou, des Koulibaly, des Konaté et tout ça, ministre, directeur, maire, député et tout. C'était l'Amazon de Kenti pour les brefs de Anne de Luce. Paix et joie à la Côte d'Ivoire.